on est très 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 loin de l'affaire Binti là, hein, vous voyez, voilà. Et n'oubliez pas aussi que cette démoralisation générale est Alors, le Pizzagate, bien évidemment, pour quelqu'un comme moi qui parle des réseaux, ce que j'appelle pédocriminels satanistes, c'est-à-dire la pédophilie de réseau, hein, qui n'a rien à voir avec la pédophilie familiale, individuelle, qu'on met toujours en avant quand il s'agit d'oser parler de la pédophilie. C'est le prédateur isolé, c'est l'oncle un peu alcoolique qui a violé sa nièce dans la France arriérée, profonde, paysanne, alcoolique, etc. Enfin, voilà. C'est toujours nier qu'il y a des réseaux. Et que ces réseaux ont à voir avec les élites. Et que ces élites ont à voir avec le satanisme, c'est-à-dire avec une idéologie qui est une religion profondément antichrétienne et qui a beaucoup à voir avec la haute maçonnerie et avec l'idéologie luciférienne des Lumières, qui est que pour montrer ce qu'on est au-dessus de la morale, ça s'appelle cremation of care, hein. Be gone, dull care, and all the winds make merry with thy dust. Hail, fellowship's eternal flame. Once again, midsummer sets us free. Pour vous montrer qu'on n'a pas peur de son propre surmoi et de la propre morale, et qu'on peut être dans une stratégie de domination, parce que rien ne nous fait peur dans cette marche en avant vers la domination, on fait des exercices, je dirais, pour se renforcer par rapport à la morale, dont l'exercice ultime est le sacrilège ultime, c'est-à-dire humilier, violer et détruire la chose la plus sacrée qui est l'enfance. Le sexuel missbrauch beginnt mit 5. Als Noémie 8 Jahre alt ist, wird sie entjungfert. Denn von all den Kindern, die zu diesem pädophilen Netz gehörten, den Männern dienen mussten und von ihnen vergewaltigt wurden, war ich die Einzige, die das sehen durfte. Also, anstatt nur benutzt zu werden, durfte ich selber aktiv werden. Sie sagten mir, ich solle Wasser kochen, um das Kind damit zu verbrühen. Währenddessen schlugen sie das Kind, erst mit einem Gürtel, dann mit einem Stock, haben es mit einer Zigarette verbrannt, ihr dann die Haare abgeschnitten. Mir sagten sie, ich solle die Klitoris des kleinen Mädchens abschneiden. Ich wusste nicht, was das ist. Sie haben mir nicht konkret gesagt, die Klitoris. Sie haben sie mir gezeigt und gesagt, du musst das abschneiden. Mein Vater hat mir gesagt, ich muss das jetzt machen. Hat mir gezeigt, wo und wie ich schneiden soll. Und das tat ich. C'est d'abord la chose la plus sacrée, c'est la mère, la femme, l'enfant. Voilà. Et donc ça explique que nos élites mondialistes qui règnent par un mensonge et une violence inouïe. Yes, we came, we saw, he died. Pour régénérer effectivement leur violence et leur immoralité passent par des rituels en réalité satanistes et pratiques qui ont pour objet concret de sacrifier des bébés et des enfants en les violant et en les tuant. Voilà. Et pour ça, il faut qu'on leur fournisse de la matière première, d'où les réseaux, je dirais, de rapt d'enfants et de vente d'enfants, qui ont beaucoup à voir avec la mafia albanaise, d'où Marc Dutroux, qui, comme avant, il vendait des cartes grises volées et des bagnoles, vendait des gosses. Souvenez-vous, août 1996, deux jeunes filles séquestrées, Sabine et Laetitia, sont libérées sur les indications de Marc Dutroux. Arrêté, ce criminel avoue le meurtre de deux autres fillettes,
Julie et Melissa, kidnappées le 24 juin 1995. Leurs corps sont déterrés en septembre dans une propriété de Marc Dutroux. Des perquisitions s'ensuivent. 400 cassettes vidéo sont saisies. Elles ne seront pas exploitées au cours de l'enquête. Un certain Michel Nioul est associé aux agissements de Dutroux. Qui est Michel Nioul ? Un personnage de la haute société qui n'a jamais caché qu'il organisait des parties fines réservées aux Gotha belges. Pourquoi Marc Dutroux, petit trafiquant, minable voleur de voitures, est-il en relation avec Nioul ? Dutroux est-il un pervers qui chasse des fillettes pour lui-même ? Où est-il le pourvoyeur de partouze de la bonne société? L'hypothèse d'un réseau est au cœur de l'enquête. La pédophilie d'élite a besoin de réseaux de haute délinquance internationale. Il y a beaucoup d'argent en jeu qui leur vend des enfants qui sont volés. Et c'est pour ça que le chaos, comme le chaos des migrants, a un intérêt, parce que ça permet de faire disparaître des tas d'enfants qui n'ont pas d'identité. Donc ces gens-là ont besoin d'acheter des enfants pour les sacrifier. Et donc en fait, vos parents, comme tous les parents de ces enfants dont vous nous parlez, vendaient leurs enfants. Exactement, puisque ça rapporte un certain pourcentage d'argent, puisqu'un enfant qui a moins de 8 ans vaut 22 000 francs. D'où viennent-ils ces enfants? Les enfants qui sont sacrifiés ne sont pas déclarés, ou sont des enfants étrangers. Notamment quand j'étais sur Agen, c'était des enfants, c'était des petits Africains, ils étaient noirs. Sur Jalais, j'en ai vu aussi, sur Nanterre aussi. Mais c'était des petits blancs, des Français, mais c'est des enfants nés de viol. Des enfants nés de viol? Oui, qui n'avaient pas été déclarés, des accouchements et qui ont été faits chez les parents, dans des conditions abominables. Et donc, dans la mesure où ils n'étaient pas déclarés, ils étaient sacrifiés? Voilà. C'est là, à un moment donné, qu'on arrive au sujet de Pizzagate. Effectivement, nous avons ces élites oligarchiques profondément satanistes dans leur vision du monde. Et là, d'un seul coup, on touche à l'entourage d'Hillary Clinton et aux frères Podesta. Hein, on voit qu'ils sont et à l'espèce d'artiste d'art contemporain d'ailleurs qui s'appelle Abramovic. Hillary Clinton's campaign manager John Podesta attends weird occult dinner parties where blood, semen and breast milk are used in ritualistic ceremonies. In an email dated June 28, 2015, performance artist Maria Abramovic wrote to Podesta's brother Tony and said, "I'm so looking forward to the spirit cooking dinner at my place. Do you think you will be able to let me know if your brother is joining?" So what is spirit cooking? It's basically a Wiccan ceremony where blood is used to create some form of art as a sacrament to occult beliefs. According to Maria Abramovic, if the ritual is performed in an art gallery, it's merely art. But if the ritual is performed privately, as it was with the Podestas, then it represents an intimate spiritual ceremony. Here's Abramovic posing with a goat's head dripping in blood, a representation of the occult symbol Baphomet, which is used by numerous secret societies like Freemasonry and the Knights Templar. Here she is at a spirit cooking event with Lady Gaga, eating something with a spoon that's smeared all over the body of a mock corpse. Des gens qui jouent au moins au niveau symbolique. Sur la pédophilie. Alors pour l'instant, on voit que ce qu'on peut voir, c'est qu'ils ont des goûts artistiques pédophiles. So back to Comet Ping Pong specifically and the art exhibitions they hold. So this is some of the art from an artist that has done an exhibition at Comet Ping Pong. And this is very sick stuff, obviously. I don't really want to describe this to you in detail. I think you can see what is going on and what's being depicted. It's very concerning to just about any sane person to see something like this. Moving on to Tony Podesta's personal art collection. This magazine, Washington Life, did a feature on him, and we can see various pieces of art in his house. We can also see that he actually keeps teddy bears and toys in his bedroom, despite the fact that he doesn't have any children. This is one of the pieces of art that he owns that's in his living room, which to me appears to be two dead bodies of young girls in a pond. They don't appear to be alive to me. Again, by the same artist as the pictures that Tony Podesta owns, just some very disturbing images.
Et puis quand on creuse un peu plus loin, on découvre effectivement ce dont je parle depuis des années et qui a à voir avec les procès d'Outreau dont on a publié le livre, qui a à voir avec ces bruits récurrents qui ressortent sur le scandale de ce lieu de vie qui s'appelait le Corral. Tout commence ici, au lieu de vie, le Corral, à Aimargues. On apprend qu'une affaire de balai bleu avec des mineurs handicapés met en cause de nombreuses personnalités. C'est Jean-Claude Krief, un ancien éducateur stagiaire du Corral, qui fait ses révélations. Il affirme détenir plusieurs témoignages et confie à la justice des photos pornographiques prises soi-disant au Corral. Actuellement, un proche de Jean-Claude Krief se promène dans la rédaction des journaux parisiens en proposant de vendre des informations sur l'affaire. Selon ces informations, que bien entendu nous avons refusé d'acheter, un haut fonctionnaire et même un ministre seraient impliqués dans ce scandale des balais bleus. Monsieur Jack Lang, qui prétendait être candidat à la présidence de la République, que l'on m'arrête à la sortie, si ce que je dis n'est pas vrai, a été compromis dans l'affaire des lieux de vie et dans un lieu de vie tenu par des socialistes qui s'appelait le Corral. Et là, des gamins étaient prostitués à des gens comme Jack Lang. Et un gosse a été trouvé mort, sodomisé, la tête dans un seau de merde. Que l'on m'arrête à la sortie si ça n'est pas vrai. On apprend que déjà en 77, un enfant de 11 ans a été trouvé mort, sodomisé et noyé au Corral. Son prétendu meurtrier est considéré comme dément. Un non-lieu est prononcé. Sorti depuis peu de l'hôpital psychiatrique, il a reparu au Corral. Le lendemain, trois autres personnes sont inculpées. Gérard Durand, professeur de musique, Willy Marceau et René Scherrer, universitaire et philosophe. On voit aussi qu'à un moment donné, un livre où je parle de ça incidemment est interdit à la demande de Pierre Berger, le livre que j'avais sorti avec Nolo, hein, Dialogue désaccordé, où là, on parle à un moment donné de la vilaine Lulu. On parle de ce qui se passerait depuis très longtemps au Maroc. Un certain choc pour les invités avant-hier soir sur le plateau. Un propos stupéfiant, comme on dit en pareil cas, est balancé en direct à l'antenne. Vous avez un épisode qui racontait d'un ancien ministre qui s'est fait poisser à Marrakech dans une partouze avec des petits garçons. Bon, probablement, nous savons tous ici de qui il s'agit. Très sincèrement, pas. Eh ben, moi, je le sais. Et je pense que je suis pas le seul. On parle du problème qui s'était passé dans la région de Soissons, avec notamment Émile Louis, hein, les disparus de Lyon, etc., etc., le monstre d'Apoigny. Depuis l'arrestation d'Émile Louis en décembre 2000, l'enquête n'a pas progressé. Pourtant, au cours des auditions, l'ex-chauffeur de car d'Auxerre a fait allusion à d'autres affaires qui se sont déroulées dans la région au même moment. À Apoigny, petite ville proche d'Auxerre, un couple, Claude et Monique Dunant, organisent des séances de torture dans le sous-sol de leur pavillon. Des jeunes femmes, souvent seules ou handicapées, sont la proie des clients des Dunant qui payent très cher pour pratiquer des sévices horribles sur ces jeunes victimes. Il faut avoir des contacts, savoir qui a de l'argent pour payer pour faire toutes ces tortures. Et les photos que j'ai retrouvées dans la maison, qui ont été en possession de la police, qui ont été en possession du tribunal, pourquoi ils n'ont pas fait des recherches sur ces filles? Et les carnets d'adresses, le fameux carnet noir, justement. Pourquoi personne n'a fait des recherches? Émile Louis et Claude Dunant travaillaient pour la même société de car et fréquentaient les mêmes brasseries. Claude Dunant aurait-il compris à cette époque qu'Émile Louis pouvait lui servir de rabatteur et le débarrasser des corps des jeunes femmes torturées? Claude Dunant, condamné à perpétuité, ressortira au bout de 15 ans. Il y a des élites au-dessus de tout soupçon et au-dessus des lois de la police, de la justice, qui pratiquent de la pédophilie organisée, c'est-à-dire de la violence, du viol et de la violence et même de l'assassinat sur enfant, et que cette pratique a à voir avec une religion qui est une religion inversée, c'est-à-dire une religion de Satan, qui est de montrer qu'on est au-dessus des lois, que ce soit les lois des hommes ou même les lois religieuses, c'est-à-dire la loi naturelle, hein, violant, martyrisant et tuant des enfants. Pendant toutes ces années, j'ai été abusée par les mêmes hommes. Et j'ai pu voir comment petit à petit ils repoussaient les limites. Au début, ce sont des rapports sexuels classiques, ensuite ils veulent plus. Et quelques mois plus tard, ils demandent de véritables tortures. Ces hommes s'excitent mutuellement à aller de plus en plus loin. L'abus d'enfants permet à ces hommes de se décharger de toute leur frustration. C'est aussi une forme de pouvoir absolu qui s'exerce sur des enfants qui ne peuvent pas s'enfuir ni arrêter cette violence.
Voilà. Et le Pizzagate, c'est par l'Internet des gens de la société civile qui, malgré la chape de plomb qui est sur ce pouvoir, qui est couvert aussi par les médias, qui, au lieu d'en parler, disent que ce sont des rumeurs et des délires, bien qu'un jour, par exemple, Élise Lucet, qui est la présentatrice du journal de la 2, ait tenté une fois dans sa vie de faire un documentaire très respectable qui montrait du doigt que la pédophilie de réseau existait. Et d'ailleurs, on voyait d'ailleurs montrer des symboles qui sont exactement les mêmes symboles que Pizzagate. Il y avait un endroit à Paris dont lui, c'était le chef. Donc, il disait qu'il était un grand mage et qu'il s'appelait Bouc-Noubourg. Et dans cet endroit, ben, ils avaient des grandes robes blanches avec des bords dorés. Puis ils faisaient des prières, ils violaient les enfants, ils leur faisaient peur. Et puis il y avait plusieurs autres gens aussi qui nous violaient. Puis ils nous attachaient aussi sur des tables et puis ils nous frappaient ou ils nous mettaient des aiguilles auprès des yeux pour nous faire croire qu'ils voulaient nous crever les yeux. I want you to see these images here. These are the images. Notice this one on the end, the triangle. That image signifies something called boy love. The pizza place next door to Comet Ping Pong Pizza, Best of Pizza, well, this was their logo until only a few weeks ago. Clearly, you can see that the Best of logo actually contains the same image, I'm going to show you again, as that boy lover image. Ce triangle avec une spirale à l'intérieur, hein, qui est le symbole qui systématiquement revient dans les cérémonies pédocriminelles satanistes. Ce qui m'a sauté le plus aux yeux, je ne m'attendais absolument pas à voir cela, ce qui m'a sauté le plus aux yeux, c'est que j'ai connaissance d'un gamin qui m'a fait un dessin exactement le même que le dessin de la gamine. On pourrait peut-être se poser des questions. Qui renvoie aussi peut-être au film de Eyes Wide Shut, qui est le dernier film de Stanley Kubrick, hein, qui parle en réalité profondément de ça, même si d'ailleurs il est mort avant la fin du montage et qu'il n'a pas pu montrer toute la dimension, notamment qui était dans le film d'après les rushs, avec la dimension MK Ultra, qui est non pas la partie de Tom Cruise, mais la partie jouée par sa femme. Ça a été amputé au montage, où en fait on comprend qu'elle avait été une vestale conditionnée des réseaux MK Ultra, qui sont effectivement le rôle que jouent ces femmes dans la cérémonie qui est montrée à un moment donné, et la femme d'ailleurs sacrifiée qui se sacrifie pour lui. Remove your clothes. Or would you like us to do it for you? Stop! Let him go! Take me! I am ready to redeem him. Dans le vrai film tel qu'il était écrit, il y avait effectivement la dimension que sa femme avait appartenu à ses réseaux. Et ça, c'est le travail que j'ai fait moi sur un moment donné, Karen Mulder, dans les années 90, qui dit qu'elle a été droguée et utilisée dans des partouzes avec des élites, où on voyait apparaître le nom à un moment donné du prince là de Monaco, je crois. Voilà, alors l'histoire, on la connaît évidemment, fin octobre 2001, Karen Mulder, que je ne connaissais pas du tout, me contacte. Et elle me dit qu'elle a des révélations à faire au sujet de l'agence Elite. Le 31 octobre 2001, elle est ici, sur ce plateau. Et rapidement, je découvre qu'elle n'est pas dans son état normal, qu'elle est dans une espèce de délire paranoïaque, où elle affirme avoir été plusieurs fois violée sous hypnose, d'abord par son père à l'âge de 2 ans, et ensuite par des stars du show business, très récemment. Le monde des mannequins en ébullition. Les top modèles ne font plus rêver comme avant, bien au contraire, avec une première apparition dans la rubrique Faits divers. Celle de Karen Mulder, récemment admise dans un hôpital psychiatrique, après avoir évoqué les multiples viols dont elle aurait été victime. Alors elle avait été internée psychiatrique, mais moi ce que j'ai compris en réfléchissant et en analysant et en creusant, c'est qu'effectivement il y avait des liens entre la haute couture, les agences de mannequins et ces cérémonies, puisque dans des cérémonies comme le montre bien Eyes Wide Shut, il y a des magnifiques vestales de 20 ans. Or, les jeunes filles des agences de mannequins sont des jeunes filles très belles, mais très, très jeunes et très isolées. Say hello, Nadia. Hello, my name is Nadia, I'm 13. From Novosibirsk.
Pour moi, le plus gros problème, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes filles âgées de 13, 14 ou 15 ans. C'est aussi le cas chez nous, même si tout le monde affirme qu'en Europe et aux États-Unis, on n'engage plus de filles de moins de 16 ans. Ces filles, je discute avec elles pendant les castings. On ne peut pas les blâmer, elles ont juste été envoyées là. Leurs familles non plus, elles sont sans doute dans le besoin. Peut-on incriminer l'agence parce qu'il existe une demande? Ou bien les clients qui prétendent ne pas connaître leur âge ou qui ne le connaissent peut-être réellement pas? En fait, ce n'est la faute de personne. Mais ça continue et tout le monde ferme les yeux. Si les clients veulent des ados de 13 ou 14 ans, c'est peut-être parce que ils ne veulent pas de vraies femmes. Je ne sais pas pourquoi d'un seul coup je vois les liens avec la haute couture et certaines personnes qui m'ont persécuté et qui m'ont empêché de m'intéresser et de parler de ces sujets. Hein. C'est évidemment, il y a un lien entre les réseaux satanistes, les cérémonies à Vestal, à jeunes filles, les systèmes de conditionnement, les agences de mannequins et la haute couture, vous voyez. Le cauchemar de l'agence élite, c'est lui. Donald McIntyre est journaliste indépendant. Ses armes, des micros et des caméras cachées. Pendant plus d'un an, il a infiltré pour la BBC les coulisses de la mode. Paris, Londres, Milan, terrible constat. Derrière les paillettes, le sexe, la drogue et d'après la BBC, parfois, la prostitution. Deux directeurs d'élite couchent avec des mannequins de 16 ans. Le patron de l'agence lui-même a dit qu'un mannequin placé sous sa responsabilité dans sa propre entreprise était devenu sa maîtresse. Elle a 15 ans. Et ce ne sont pas les Lolitas qui manquent. Belles, des rêves plein les yeux, souvent naïves, elles viennent de partout, comme ces jeunes filles recrutées à Moscou. Des agents peu scrupuleux les tiennent par des contrats et des visas. Ce sont des proies faciles. C'est la porte ouverte à tous les abus, comme en témoigne ce photographe de mode. Je les vois, les vieux qui sont là, avec les petites gonzesses de 17 ans, et c'est vraiment c'est le schéma classique. Le chambre sur la table, la C sur la table, et puis on le jeunesse. Et avec toutes les histoires aussi, des week-ends, des faux shootings organisés dans la maison d'un tel à Ibiza, et tout d'un coup, on part à 15 filles, et il y a le tel patron d'agence qui va inviter ses copains, alors l'autre il est armateur, machin truc, l'autre il est ceci, cela. Dans ce que vous disiez à l'époque, il y avait finalement des choses qui étaient un peu délirantes et des choses vraies également. Oui, la plupart des choses étaient vraies, et puis il y avait des choses où, à un moment donné, la vérité est tellement grande qu'on dit des conneries aussi. Ouais. Mais ça n'empêche pas que la vérité est là. Mmh. Ça explose un peu dans la tête quand tout d'un coup tout vous tombe dessus, mais voilà. C'est tout, quoi. Ouais. Hein? Alors peut-être que la vilaine Lulu, effectivement, parce que là je ne peux pas parler de Pierre Berger, mais je peux parler de pourquoi, à un moment donné, Yves Saint-Laurent, peut-être pour se laver ou dans un sursaut moral, a écrit cette bande dessinée étrange qui s'appelle La vilaine Lulu, où il dit bien en préambule que tout est vrai dedans. Et je rappelle que La vilaine Lulu est aujourd'hui rééditée par la Fondation Pierre Berger. Hein, voilà, je n'en dis pas plus, mais voilà, il y a une réalité. Donc Pizzagate, c'est vrai, bien évidemment, c'est vrai. Et tout ce que les jeunes là, tout ce travail que font les jeunes pour montrer tous ces réseaux, tout est vrai, bien évidemment. Let's take a look at the code in the emails. The code appears to be hot dog equals boy, pizza equals girl, cheese equals little girl, pasta equals little boy, ice cream equals male prostitute, walnuts or nuts equals person of color, map equals semen, and sauce equals orgy. Here's a quote from one of the emails. The realtor found a handkerchief. I think it has a map that seems pizza related. So this is one of the very strange emails that appears to be coded and which first got us curious about what on earth they were talking about. And it's from Susan Sandler to John Podesta. Do you think I'll do better playing dominoes on cheese than on pasta? This appears to be some kind of code. I mean, would you ever say anything like this to anyone you know? And it appears that the word dominoes means BDSM that involves domination. That's what we're speculating. Another email. Obama spent about $65,000 flying in pizza/dogs from Chicago for a private party at the White House.
I will be sacrificing a chicken in the backyard to Moloch. Cheryl Mills emailed this to Hillary Clinton. So what's a chicken code word for? Well, in gay slang, chicken is code word for an underage boy, and Moloch is the god associated with child sacrifice. So go figure. I will be sacrificing a chicken in the backyard to Moloch. Et comme par hasard, les médias mainstream, au lieu de faire leur travail d'enquête, couvrent en fait de manière à ce que ça n'explose pas au-delà d'Internet. Donc là, on voit bien la collision de ce que j'appelle la démocratie de marché et d'opinion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un journaliste est bien une pute ou un chômeur, et que comme sur l'affaire Baudis à l'époque, rappelons-nous comment Carl Zero a été sacrifié parce qu'il a voulu travailler réellement sur ce qu'il y avait derrière l'affaire Baudis, hein. Aujourd'hui, les journalistes mainstream, au lieu de faire leur travail, c'est-à-dire d'essayer de sauver des enfants et de protéger l'enfance, se font effectivement les protecteurs et les agents de l'oligarchie d'argent. Donc il y a bien cette articulation, pouvoir d'argent, pouvoir politique, pouvoir médiatique. Et ça s'appelle l'oligarchie complice, et effectivement, il n'y a là-dedans que des putes. Hein, et des macros. Alors, c'est très intéressant, justement, parce que les pédophiles de réseau ont un gros problème, c'est que la pédophilie est, officiellement punie très gravement par la loi. Donc ça les oblige à une clandestinité et à une prise de risque. On voit d'ailleurs chez les petits pédophiles qui se font choper en Thaïlande, effectivement, qui peuvent régulièrement quand même partir en prison. Le bas de la pédophilie est en danger, le haut, effectivement, est au-dessus des lois. Donc pour ça, il y a deux travaux, ces réseaux pédophiles satanistes qui sont finalement l'oligarchie dans sa vision extrême et dans son engagement extrême. Ils ont deux problèmes. Ils ont démoraliser la population pour qu'elle admette que la pédophilie c'est pas si grave, et là on voit les phrases de Cohn-Bendit. Bah, vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi commence à vous déshabiller, oula, c'est fantastique. C'est fantastique, parce que c'est un jeu absolument érotique. Vous me troublez. On voit les phrases de monsieur, maître Thierry Lévy. Il y a une espèce de chape de plomb qui tombe, comme ça, qui tombe de boucles blondes, n'est-ce pas, sur l'ensemble de la société, qui vient interdire tous les comportements un peu différents, un peu anormaux. Un peu différent. Mais bien sûr, et alors là, chaque fois, on revient à la pédophilie. La pédophilie est un sujet qui est maintenant totalement interdit. On voit les phrases de Jacques Lang qu'on sortira à l'époque, effectivement. Donc on voit le travail pour essayer de banaliser la pédophilie afin qu'elle soit décriminalisée. Au-dessus de 14 ans, c'est dégueulasse. Parce que effectivement, ça sera plus simple pour ces gens-là le jour où on pourra, comme d'ailleurs le dit Pierre Berger très bien, acheter des enfants au tiers-monde pour en faire ce qu'on veut. Je vais juste la rappeler, louer son ventre pour faire un enfant ou louer ses bras pour travailler à l'usine, quelle différence. Alors, même les féministes ont été très choquées, oui, même les pro-mariage gay ont été très choquées. Oui, mais ils ne m'ont pas compris. De toute façon, on porte toujours quelque chose pour quelqu'un d'autre, on est payé pour ça. Ça serait moins dangereux que d'être obligé de passer par des Dutroux avec le risque, effectivement, de la marche blanche et de colère populaire. Donc, c'est démoraliser le peuple et donc banaliser les pratiques déviantes. Et pour ça, il faut faire un travail pour dire que la sexualité est intrinsèquement multiple et infantile. Et là, on voit le rôle du rapport Kinsey. But the most disturbing evidence comes from Kinsey's so-called scientific tables, wherein he describes the sexual responses of young children. In Kinsey's tables 31 through 34, he documented the timed orgasms of children as young as 2 months old, recording their responses down to the tenth of a second. The findings are so extreme that one child, a 4-year-old, is said to have had 26 orgasms within a 24-hour period. Then on page 177 of the male volume, Kinsey writes, orgasm is in our records for a female babe of 4 months. Kinsey defined orgasm for pre-adolescent children with the following description. A gradual and sometimes prolonged build-up to orgasm, which involves still more violent convulsions of the whole body. Heavy breathing, groaning, sobbing, or more violent cries, sometimes with an abundance of tears, especially among younger children.
Le rapport Kinsey vous dit qu'un enfant a une sexualité dès la naissance, qu'il aime jouir, et que donc s'il aime jouir, si un vieux lui a envie de l'enculer, effectivement, il y a complémentarité, et c'est le bonheur dans le plaisir partagé, vous voyez. In a section dealing with sex between adults and children, Kinsey claimed to have evidence that children can enjoy abuse. The adult contacts are a source of pleasure to some children, and sometimes may arouse the child erotically and bring it to orgasm. It is difficult to understand why a child, except for its cultural conditioning, should be disturbed at having its genitalia touched. Not only that, he recommended that adults could effectively aid children in better sexual lives by giving them quote-unquote orgasms at a very early age. In his final years, Kinsey would testify before legislatures and courts that pedophilia was a less dangerous problem than public intolerance of it. On retrouve des choses, on trouve des sentiments, et on comprend que tout ce monde de l'enfance, tel que le décrivent surtout les religieux, les catholiques, hein, parce qu'on en a parlé, ça, c'est vraiment la répression. Que faites-vous ? Que faites-vous sinon brandir sans cesse le bâton de la morale ? Mais oui, que faites-vous ? Sur les enfants, les enfants, la beauté du sexe sur les enfants. Donc le rapport Kinsey est une des pierres à l'édifice de cette démoralisation globale dans le but de banaliser la pédophilie d'élite, parce qu'elle est surtout d'élite, hein, le travailleur de base est pas très motivé de sodomiser des enfants. Il est dans la pornographie traditionnelle du calendrier de routier et du poster central de Louis ou de Playboy, hein, voilà. Il est dans du à la limite, si je veux être sympa, dans du DSK ou dans du Trump. You know, I'm automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. You just kiss. I don't even wait. And when you're a star, they let you do it. You can do anything. Whatever you want. Grab them by the pussy. I can do anything. Je préfère Trump à DSK, mais je veux dire, on a dans de la sexualité, hein, voilà. Mais donc, une des chevilles ouvrières de la démoralisation pour banaliser la pédophilie, c'est le rapport Kinsey, hein, qui nous dit bien que toutes les sexualités sont respectables, que le reste c'est des interdits moraux, historiques, dans le but d'empêcher l'enfant de jouir, le nourrisson de jouir et le pédophile de jouir. Kinsey made it clear that this data was supplied by adult observers, who were defined as pedophiles by Kinsey's own team members. Les religieux, les catholiques. As you will hear later on. Kinsey wrote, "Some males suffer excruciating pain and may scream. The males in the present group, by which he meant pre-adolescent boys, become similarly hypersensitive before the arrival of actual orgasm, will fight away from the partner, and may make violent attempts to avoid climax, although, he said, they derive definite pleasure from the situation." Puisque Kinsey était un pédophile, il faut bien le dire, qui est mort en fait par un arrachement des conséquences infectieuses d'un arrachement des testicules, parce que ce grand savant très respectable, pour jouir, se pendait par les couilles, vous voyez. Kinsey's own sadomasochistic tendencies have been documented by a number of biographers. James Jones revealed that Kinsey once climbed into a bathtub and circumcised himself with a pocket knife, without the benefit of anesthesia. Another account of Kinsey's extreme self-abuse came about when his research was under investigation. Jones reports that after the Rockefeller Foundation withdrew his funding, Kinsey went to a basement, tied one end of a rope to an exposed ceiling pipe and the other end around his scrotum, then stood on a chair and jumped off. Pour vous dire quand même, on est très 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 loin de l'affaire Binti, là, hein, vous voyez, voilà. Et n'oubliez pas aussi que cette démoralisation générale est un marché. Parce qu'effectivement, par rapport à la moralité moyenne de l'Américain moyen, qui est la Bible, mais la Bible de John Ford, hein, la Bible, on va dire, luthérienne, la morale classique empêche aussi, hein, la pédophilie, mais aussi le capitalisme de devenir financier et purement parasitaire et destructeur. La morale bourgeoise américaine traditionnelle amène effectivement à un capitalisme entrepreneurial et aussi à la réussite par le travail. C'est-à-dire l'American way of life respectable. Been ranching since I was a kid, started when I was in FFA and in high school, so probably when I was 16 years old, I owned my own cattle. It seems like the modern world is all plastic and made up, and
and smoke and mirrors and this old ranching heritage and the custom and culture that goes along with it is real. And it's down to the basics of life, of animals and plants and the environment, rain and those kind of things. That's all reality, God's creation. Le film de cow-boy, hein, avec le gars qui bosse, hein, ça c'est voilà le luthérianisme respectable, voilà. Donc il faut démoraliser par le rapport Kinsey et faire exploser la sexualité déviante et généralisée. C'est l'intérêt à la fois des élites prédatrices, oligarchiques, pédophiles, et en même temps l'intérêt du capitalisme dans sa version financière, prédatrice et destructrice. C'est-à-dire c'est une entreprise générale de démoralisation. Parce que pour qu'on arrive au stade ultime de la domination parasitaire impériale, il faut démoraliser entièrement tout. Мы видим, как многие евроатлантические страны фактически пошли по пути отказа от своих корней, в том числе и от христианских ценностей, составляющих основу западной цивилизации. Отрицаются нравственные начала и любая традиционная идентичность, национальная, культурная, религиозная или даже половая. Проводится политика, ставящая на один уровень многодетную семью и однополое партнерство, веру в Бога или веру в сатану. Эксцессы политкорректности доходят до того, что всерьез говорится о регистрации партий, ставящих своей целью пропаганду педофилии. Люди во многих европейских странах стыдятся и боятся говорить о своей религиозной принадлежности. Праздники отменяют уже. И... или называют их как-то по-другому, стыдливо прячут саму суть этого праздника, нравственную основу этих праздников. И эту модель пытаются агрессивно навязывать всем, всему миру. Убежден, это прямой путь к деградации и примитивизации, глубокому демографическому и нравственному кризису. Oui, bien sûr, ça sort de... Et aujourd'hui, on voit que l'oligarchie mondiale est dans une phase où elle, à la fois, elle est sur le point de prendre le pouvoir, mais sur le point d'être démasquée et sur le point d'être, massacrée par le peuple. Donc, elle est à la fois très près de l'objectif final, très, très, très violente, très illégitime et très inquiète. Donc, c'est pour ça que là, on est, je veux dire, à la veille de Satan démasqué, et de Satan triomphant ou vaincu, c'est qu'on voit qu'on est dans l'apologie de la sexualité délirante généralisée. J'arrive plus à respirer. C'est quoi le mot de sécurité? Oh ouais, fuck you! Dans la propagande LGBT délirante, avec un barbu travelot, avec des images où on voit ça s'encule entre noir et blanc en tout va, et dans une colère de plus en plus puissante du peuple. Hein, 30 mètres plus loin, derrière un camion, un mec en train de sucer un autre mec. Comme toi. Oh, c'était le cirque Pinder. Il y avait des ateliers dans tous les coins. En bas du toboggan, il y a un mec qui chiait dans un bocal. Et autour de lui, 5 ou 6 travelots, tu sais, en talons aiguilles. Alors mon fils, évidemment, pourquoi il fait caca? Non, non, c'est de la mousse au chocolat, tire-toi. Dans une disjonction de plus en plus grande entre le peuple, qu'il soit de gauche ou de droite d'ailleurs, et les élites. Ah, non, la France profonde qui se réveille. Allez, vas-y. Que... Ça vient du bas, là. Ça vient du terroir. Et dans une stratégie délirante des élites pour leur faire accepter une immoralité totale dont, au premier niveau, on ne comprend pas très bien l'objet. On comprend très bien pourquoi le pouvoir socialiste se bat autant pour l'enculade généralisée métisseuse, parce qu'en plus, on est dans le métissage homosexuel, c'est presque délirant, parce qu'il n'est même pas reproductif. Mais on est dans un délire, on va dire, néronien, je veux dire, ou même pire, héliogabalien. Il faudrait relire Antonin Artaud sur la décadence de des derniers empereurs romains. Hein, on est dans la partouze, l'apologie de la partouze généralisée. Et alors qu'en réalité, on est dans une période de chômage de masse et comment dirais-je, de censure totale sur des questions fondamentales, notamment comme la Shoah, voyez, hein. On a le révisionnisme, la chape de plomb idéologique intégrale sur les questions morales et les questions historiques sérieuses, et la morale débridée imposée de force, avec notamment une loi pour interdire les gens d'avoir le droit que les femmes se posent des questions sur l'avortement, voyez. Dans le viseur du gouvernement, des sites comme celui-là, d'apparence banale,
Certains proposent même un numéro vert avec un seul but, dissuader les femmes d'avorter. Au téléphone, voilà ce qu'elles peuvent entendre. On a quand même beaucoup, beaucoup de femmes qui les regrettent, quoi. Elles pleurent leur bébé, elles n'arrivent pas à s'en remettre. Désinformation, intox, au planning familial, on dénonce depuis longtemps ces méthodes. Ces sites pratiquent un délit d'entrave à l'IVG. La proposition de loi vise à les pénaliser, voire à les fermer, pour garantir que les femmes choisissent d'avorter en toute liberté. On va prendre les mesures nécessaires. Il y aura, avant la fin de la législature, des mesures qui seront prises pour justement faire cesser ces sites qui trompent les femmes. 2 ans de prison, 30 000 euros d'amende. On est vraiment là à la période charnière de la gouvernance globale ou de la révolte des nations, qui est aussi une révolte des peuples et de la morale populaire. Ça renvoie aussi à la common decency, c'est-à-dire au bon sens populaire, qui est, d'après Orwell, l'arme de résistance absolue face au fascisme authentique. C'est pas que l'homme des quartiers populaires serait par nature, au sens rousseauiste du terme, un être idéal. C'est un être complexe, capable du meilleur comme du pire, mais il reste, dans les quartiers populaires, des structures de vie commune, hein, fondées sur l'anthropologie du don, qui, même s'ils sont sérieusement attaqués par la société moderne, rendent encore possible, entre voisins, des rapports d'échanges symboliques. En général, quand quelqu'un vient vous demander de lui prêter son échelle, votre premier réflexe n'est pas lui dire « pour 2 heures, ça fera 20 euros ». Hein, il y a encore cette structure. Tandis que quand vous devenez riche et puissant, ma grande théorie, qui est celle de tout l'anarchisme, c'est que la richesse et le pouvoir nous coupent de nos semblables. Dès qu'on monte dans la société, l'oxygène moral se raréfie, hein, et il est beaucoup plus difficile à un homme riche et à un homme puissant de conserver ce bon sens et cette common decency qui sont encouragés non pas par la nature des simples travailleurs, mais par leurs conditions d'existence. Quand vous vivez avec 1200 euros par mois, la réalité est là pour vous mettre du plomb dans la tête. C'est ce que les catholiques appellent la loi naturelle. Hein. C'est vraiment aujourd'hui le combat profond et final du peuple et de la loi naturelle contre les élites Lucifer, hein, et l'émancipation luciférienne dont ils se réclament. Hein, c'est-à-dire l'homme mesure de lui-même, l'homme sans Dieu, et aussi le nietzschéisme de gauche qui fait qu'un mec comme... Onfray se prend les pieds dans le tapis parce qu'à la fois il veut être populiste et en même temps il est sur la jouissance du nietzschéisme de gauche. Je dis simplement que le peuple c'est ceux CEX sur lesquels s'exerce le pouvoir et qui n'ont jamais la possibilité d'exercer du pouvoir. Et tout ce petit prolétariat, tout ce petit peuple, tous ces paysans qui se pendent, savez-vous ce qu'est un paysan? Tous ces gens qui se pendent, des agriculteurs parce qu'ils sont en faillite, tous les artisans qui ont du mal à joindre les deux bouts, qui ne prennent jamais de vacances, tous les commerçants qui bossent 12 heures par jour, c'est ça le prolétariat Est-ce aujourd'hui. Que je peux vous poser... C'est ça, Yann, le peuple. Nous sommes des êtres de désir, avec des envies, des pulsions, et soit on s'interdit de vivre ces désirs-là, soit on les vit, mais en cachette, en se dissimulant toutes ces choses-là. Donc je dis, la famille, redéfinissons-la autrement. Moi, je suis hétérosexuel, je suis pas homosexuel du tout, simplement je pense que les homosexuels montrent comment on peut refaire une famille. Comment un couple d'homosexuels peut repenser différemment la famille? Pas besoin d'un homme et d'une femme. Ça peut être 2 hommes, ça peut être 2 femmes. C'est totalement inconciliable. Mais comme en fait, il est beaucoup moins philosophe que ce qu'il croit, il n'a pas compris qu'il y avait un clash conceptuel dans sa petite tête. Il va falloir vraiment qu'il choisisse, hein, entre l'hédonisme du nietzschéisme de gauche et sa solidarité avec le peuple. Parce que le peuple, il est effectivement anti-luciférien profondément. Ça a aussi beaucoup à voir aussi avec la morale de la production, tout ça. Dès lors qu'on sort de la production et qu'on est dans le parasitisme, on est dans une immoralité pratique. Jean-Jacques Rousseau était le premier à faire cette remarque-là. Et on arrive effectivement à la décadence et à la délinquance totale. Et c'est pour ça que les délinquants du haut, les racailles du haut, tendent la main aux racailles du bas. Cette jonction se fait toujours contre le peuple, qui peut être d'ailleurs, qui est producteur, mais qui peut être par ailleurs aussi noir, blanc, musulman ou catholique. Hein, voilà. Donc c'est complexe, hein, toutes ces articulations. Il faut arriver à faire des schémas, etc. Et il faudrait presque que je passe du temps à produire, comment dirais-je, une espèce
de tableau. Voilà, c'est un livre de philosophie réelle et profonde et de sociologie réelle et profonde et de politique réelle et profonde à écrire. Et c'est le livre, je le fais par vidéo en instantané parce qu'on n'a pas le temps quelque part. Mais c'est sans doute aussi pour ça que quand on lit à la fois Kluskar, Michéa, Soral, Marion Sigaud, etc. En fait, on fait ce travail. En fait, on fait ce travail en faisant cette union sacrée, effectivement, de résistance à. Mais là, j'ai pas le temps de me retirer pour faire Bagatelle pour un massacre 2, parce que on y est là. Hein. C'est le titre du prochain bouquin. Hein. C'est Bagatelle pour un massacre, le retour. Hein. C'est ça le livre à écrire aujourd'hui, sous pratiquement la même forme d'ailleurs et avec le même fond. Mais j'ai pas le temps. Et donc, je le fais de façon un peu de façon socratique, hein, n'oubliez pas que Socrate n'a jamais rien écrit, ni Jésus, hein. Il y a d'autres qui ont écrit derrière eux, parce qu'ils étaient effectivement dans un combat immédiat et dans une urgence, faut pas oublier, hein. Martial Bill, Élise Blaise, Olivier Frère-Jacques et toute la rédaction de TV Liberté vous donnent rendez-vous le dimanche 18 juin dès 20h30 pour une édition spéciale du journal télévisé. Résultat du second tour des élections législatives, les noms des perdants et des nouveaux élus, les commentaires, les analyses et les réactions des politiques, de nos experts et de nos invités. À partir de 20h30 sur TV Liberté en direct. Trois ans après le meurtre du petit Grégory Villemain, l'affaire est de retour. Plusieurs membres de la famille ont été placés en garde à vue. Le corbeau serait sur le point d'être démasqué. Immersion au cœur des prisons, le site anonyme Actu Pénitentiaire propose de suivre le quotidien de la vie des maisons d'arrêt, une initiative qui recueille l'enthousiasme des gardiens et des détenus, mais qui inquiète la direction de l'administration pénitentiaire. Le nouveau ministre de la Santé, Agnès Buzyn, réfléchit à rendre obligatoire 11 nouveaux vaccins infantiles, un souhait dans la droite alignée de la politique voulue par son prédécesseur, Marisol Touraine. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, retrouvez Élise Blaise pour votre rendez-vous politique quotidien, Cap sur l'Assemblée. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans Cap sur l'Assemblée. J-2 avant le verdict dimanche. Les électeurs seront à nouveau invités aux urnes pour décider du député qu'ils souhaitent envoyer à l'Assemblée. À peine un mois après l'élection d'Emmanuel Macron, le mouvement En Marche est en passe d'envahir l'Assemblée nationale. L'opposition sera donc morcelée et peu nombreuse. En effet, si les marcheurs devraient dépasser les 400 élus pour former un groupe géant, les Républicains devraient quant à eux peiner pour dépasser les 100 députés. Du côté du Front National, le mode de scrutin est un réel handicap. Malgré son arrivée au second tour de la présidentielle, le mouvement de Marine Le Pen ne devrait glaner que 4 ou 5 députés, contraints de siéger en non-inscrit, privés de temps de parole suffisant pour mener une opposition véritablement efficace. La gauche en déconfiture sauve les meubles grâce à ses alliances. Malgré la sortie dès le premier tour d'une petite centaine de députés socialistes, le mouvement à la rose devrait parvenir à constituer, avec ses alliés écologistes, un groupe d'une vingtaine de députés. De son côté, la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, allié avec les communistes, joue gros. Les projections donnent entre 13 et 23 sièges à l'extrême gauche, laissant donc en suspens la possibilité de former un groupe. Les non-inscrits pourraient donc être nombreux, notamment avec les potentiels élus nationalistes corses ou le régionaliste alsacien d'Unserland, qualifié au second tour des législatives.
Et une fois élus, les députés auront du pain sur la planche. La première semaine des parlementaires ne sera pas de tout repos. Tour d'horizon, Guillaume Ulvorme. Tout frais, tout beau. Les 577 nouveaux députés de l'Assemblée nationale pourront prendre place sur leur siège au Palais Bourbon mardi 27 juin à 15h, date de la première séance de cette 15e législature. La séance sera présidée par le doyen du Parlement, l'hémicycle ne possédant pas encore de nouveau président. Les députés seront alors arbitrairement placés dans l'hémicycle par ordre alphabétique. Une configuration qui peut parfois offrir des situations incongrues, comme en 2012. Jean-François Copé et Gilbert Collard s'étaient alors retrouvés côte à côte sur les bancs de l'Assemblée, s'évitant soigneusement du regard. Une fois cette première étape franchie, les députés pourront dès le lendemain, mercredi 28 juin, constituer des groupes parlementaires. Pour être formés, ces groupes doivent être constitués d'au minimum 15 députés. Constitués en fonction de l'affinité politique, leur constitution donne lieu à une déclaration publique signée par l'ensemble des membres avant d'être remise au président de l'Assemblée. Dans cette déclaration, et à l'exception du groupe comptant le plus de députés, les membres du nouveau groupe peuvent faire état de leur appartenance à l'opposition. Si ce n'est pas le cas, celui-ci se voit alors placé parmi les groupes minoritaires. Une fois les groupes définis, le président de l'Assemblée réunit leurs représentants pour définir la division politique de l'hémicycle, soit le placement physique de chacun des groupes, de gauche à droite. Pour les députés plus hésitants à se choisir un groupe, il est possible de se déclarer apparenté à l'un d'eux. Néanmoins, certains députés ne se retrouvent dans aucune des formations de l'hémicycle. Ils sont 26 issus de la 14e législature à être dans ce cas. Les raisons peuvent être multiples. La première étant l'incapacité pour un parti politique d'être parvenu à faire élire au moins 15 députés, le minimum pour pouvoir constituer un groupe. Ces élus peuvent alors tenter de former une coalition avec des députés aux idées proches dans une situation similaire ou bien de rejoindre un autre groupe. Les deux députés Front National élus en 2012, Gilbert Collard et Marion Maréchal-Le Pen, n'avaient pu intégrer un groupe ni former une coalition par manque d'élus et d'alliés. D'autres députés peuvent aussi siéger de façon indépendante en ne souhaitant pas intégrer de groupe, comme ce fut le cas du maire d'Orange, Jacques Bompard. Mais la mise au banc a parfois des raisons moins avouables. Thomas Thévenoud, élu député de Saône-et-Loire en 2012, s'est vu éjecté du groupe socialiste après la révélation en 2014 de se démêler avec le fisc. Un rejet qui l'a d'ailleurs poussé à annoncer vouloir mettre un terme à sa carrière politique. Une fois composés, les nouveaux groupes parlementaires doivent élire leur chef de groupe par une élection interne. Un scrutin qui peut rapidement se transformer en guerre des chefs. Aussitôt élus, les présidents de chaque groupe parlementaire siègent de droit à la conférence des présidents de groupe qui établit l'ordre du jour des séances et l'organisation qui y est liée. Ceux-ci se réuniront pour la première fois jeudi 29 juin à 12h30. C'est lors de ces séances que les députés peuvent s'exprimer. Le temps de parole se voit alors distribué proportionnellement à l'importance numérique du groupe. Ainsi, en plus des sièges, la nouvelle majorité présidentielle bénéficie également d'un temps de parole pour le moins envahissant. Les orateurs sont désignés par les groupes eux-mêmes lors de leur réunion, avant que leur intervention ne soit répartie par le président de l'Assemblée. Mais avec 577 députés prenant la parole, l'hémicycle du Palais Bourbon peut vite se transformer en véritable Capharnaüm. Quatrième personnage de l'État et régulateur des débats, le président de l'Assemblée est élu lors de la première séance de la nouvelle législature par un scrutin auquel participe l'ensemble des députés fraîchement élus à la tribune. Si la majorité absolue des suffrages exprimés n'est pas obtenue aux deux premiers tours du scrutin, la majorité relative suffit au troisième tour. En cas d'égalité des suffrages, ce qui est très peu probable, c'est le député le plus âgé qui est élu, et ce pour la durée complète de la législature. Les députés pourront également intégrer des commissions dont le but est d'informer le reste des députés sur des thématiques ciblées comme l'économie, la défense ou encore la culture. Les travaux qui y sont effectués servent alors de support de travail aux députés et permettent de contrôler l'action du gouvernement par l'examen des projets de loi qui en émanent. Comme pour le temps de parole, les 8 commissions permanentes sont composées en fonction de l'importance numérique des groupes, composition qui sera rendue officielle jeudi 29 juin. Première réunion prévue le jour même à 10h30 pour élire leur bureau. Pour protéger les députés du pouvoir exécutif et judiciaire, la Constitution de la 5e République prévoit une immunité parlementaire, régime juridique dérogatoire qui permet aux élus d'échapper à toute poursuite pour les actes liés à l'exercice de leur mandat, et ce pour une durée illimitée, l'objectif étant d'empêcher un plein pouvoir des juges. En revanche, l'immunité est réduite à la durée du mandat en ce qui concerne les poursuites liées à des actes effectués en tant que simple citoyen. Après les droits, les devoirs. Dans la logique de séparation des pouvoirs,
les parlementaires ne peuvent pas cumuler leur mandat de député avec certaines fonctions, comme celle de sénateur ou de député européen. À partir de cette législature, le titre de député-maire disparaît, puisqu'il n'est désormais plus possible de conjuguer la fonction de député avec un mandat local. Les députés sont aussi astreints à la transparence juridique et financière par l'obligation de déclarer son patrimoine en début et en fin de mandat, de façon à vérifier que l'élu n'en ait pas profité pour s'enrichir personnellement. Enfin, les députés doivent respecter le code de déontologie de l'Assemblée nationale, dont la principale prérogative réside dans la prévention des conflits d'intérêts. Un code d'autant plus nécessaire avec l'arrivée massive de députés En Marche en provenance du secteur privé. Siéger à l'Assemblée comporte également des contraintes géographiques non négligeables. Difficile en effet de siéger en permanence au Palais Bourbon lorsqu'on est élu en Guadeloupe. Les 5 députés du territoire ultramarin brillent rarement par leur assiduité. Éric Jalton, député de la première circonscription de l'île, n'aura totalisé que 6 semaines d'activité pendant sa mandature. Pas étonnant alors que moins de 27% des électeurs se déplacent aux urnes. Une semaine longue et surtout difficile à suivre, mais que les Français se rassurent, avec un tel engouement médiatique, ils auront tout le loisir de suivre à la minute près les premiers pas de la majorité En Marche. Et partons à présent dans l'Aube, où se joue la seule et unique triangulaire de ces élections législatives. Le député sortant des Républicains, Nicolas Duic, est arrivé en seconde position avec près de 26% des voix. Connu pour son positionnement pro-famille, le candidat s'est toujours opposé à la marchandisation du corps humain, y compris sur les bancs de l'Assemblée. Jamais l'humanité n'a connu autant sur la vie. Jamais les puissants n'ont eu autant d'argent concentré, monsieur le ministre. Vous qui veniez d'une famille politique dans votre jeunesse, vous dénonciez ce même capitalisme. Vous êtes aujourd'hui devenu son valet, le premier serviteur des puissants qui s'arrangent le droit et le pouvoir. Vous pouvez toujours rire, monsieur le ministre. Qui s'arrangent le droit et le pouvoir d'acheter la marchandise humaine. Parce que l'étape suivante, c'est l'achat de matériel génétique humain en Californie. Vous le savez pertinemment, monsieur le ministre. Et devant l'incertitude du résultat, le nouveau ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, est allé soutenir le candidat En Marche, Grégory Besson-Moreau, arrivé en tête du premier tour avec près de 30% des voix. Nicolas Duic affronte également le candidat Front National, Bruno Subtil, arrivé en troisième position avec 25% des voix. Fort du soutien de Bruno Gollnisch, Bruno Subtil se positionne comme le seul candidat crédible pour battre le représentant d'En Marche. Le député sortant qui a perdu 10 points entre 2012 et 2017 pour moi, par méchanceté je dis ça, mais c'est une analyse froide, c'est mort. Bon, c'est ce que nous disent d'ailleurs beaucoup de maires de la circonscription depuis le début de la campagne, Jordan, hein, c'est clair. Et donc le choix, ben, l'alternative elle est claire. Hein. Elle est entre un candidat parisien, soutien du mondialisme et soutenu par le système, et même par ce matin un candidat très, très marginal, bon, c'est assez amusant. Et puis un candidat au bois, national et patriote. Sans transition, dur, la vie des politiques. Nathalie Kosciusko-Morizet restait en observation la nuit à l'hôpital Cochin. L'ancien ministre de Nicolas Sarkozy a perdu connaissance jeudi après une altercation avec un passant pendant un tractage à Paris. La candidate est sortie de l'hôpital en fin de matinée ce vendredi. De son côté, Xavier Lemoine, le maire de Montfermeil, en Seine-Saint-Denis, a été percuté par un scooter dans sa ville pendant que des jeunes s'amusaient à faire un rodéo en deux roues. Le coupable a pris la fuite en courant. Xavier Lemoine souffre de diverses contusions. Une enquête a été ouverte. Et on leur souhaite évidemment bon rétablissement. Et pour finir sur une note d'humour, notre championne du jour, Émilie Guérel, est la candidate de La République En Marche dans la 7e circonscription du Var. Professeure d'anglais de 33 ans, elle est un symbole de cette fameuse société civile et ça vaut toujours le détour. Comment est-ce que ça se passe en termes de financement de cette campagne ? Je pense qu'on fait un emprunt, ouais. Ouais, c'est comme pour toutes les... Ouais. Je pense qu'il faut absolument mettre l'accent sur les mobilités, qu'elles soient géographiques, spatiales. Voilà, parce que nous avons beaucoup de périurbains et cela engorge notamment les autoroutes, etc. Donc il faut vraiment mettre l'accent sur la mobilité. Alors, je suis très satisfaite que environ 65% des Français sont d'accord avec les décisions choisies par notre président de la République.
Cela montre que nous avons un gouvernement d'ouverture, nous avons un gouvernement d'ouverture, de coalition, la gauche, la droite, le centre, tout le monde travaille ensemble sans clivage partisan. Donc on ne pourra que avancer. Bon alors ça, rassurez-vous, c'était avant le premier tour. Depuis, Émilie Guérel a fait d'énormes progrès, d'ailleurs son caméraman aussi. Alors, nous, La République En Marche, le rassemblement, c'est vraiment ce qui fait partie du cœur, qui est le cœur de notre projet. Alors, pour rassembler, je veux faire appel à toutes les énergies. Pour couronner le tout, son adversaire centriste du premier tour, Jean-Pierre Collin, a déposé une plainte contre X auprès du tribunal d'instance de Toulon. L'ancien candidat reproche à Émilie Guérel d'avoir utilisé des congés maladie pour faire campagne. Les nombreuses photos et publications postées durant cette période sur les réseaux sociaux montrant une candidate visiblement en parfaite santé. En tout cas, la candidate est reconnaissante envers tous les électeurs qui lui ont fait confiance. Ce que j'ai à dire, c'est que je suis extrêmement touchée et honorée par le soutien de tous, les militants qui se sont mobilisés jour et nuit pour cette victoire. Donc je tiens vraiment à les remercier tout particulièrement et je tiens à dire à tous que rien n'est gagné, rien n'est joué. Donc il faut rester mobilisé jusqu'au 18 juin. Et voilà, de quoi hanter vos nuits jusqu'au deuxième tour. À présent, c'est le moment de se quitter. Tout de suite, vous retrouvez Olivier Frère-Jacques pour le reste de l'actualité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche, dès 20h30, pour les résultats du deuxième tour des élections législatives. À dimanche, bonsoir. Merci Élise. Maintenant retour sur les titres de l'actualité. Y aura-t-il une conclusion à l'affaire du petit Grégory, 33 ans après les faits? L'enquête est ressortie des tiroirs. Des membres de la famille de la victime ont été placés en garde à vue pour tenter de retrouver le corbeau. Retour sur cette affaire sordide qui a défrayé la chronique. Thibaut Bastide. 16 octobre 1984, cette date restera à jamais gravée dans la mémoire des Français. Ce jour-là, Grégory Villemain, 4 ans, a disparu alors qu'il jouait sur un tas de sable devant la maison familiale à L'Épange sur Vologne dans les Vosges. Quelques heures après la disparition du petit garçon, le corps de l'enfant est retrouvé plaqué contre un barrage dans la Vologne à Docelles, soit à 7 km de son domicile. Aucune trace de violence n'est constatée, mais les jambes et les mains de l'enfant sont ligotées. Dès lors, plus aucun doute, il s'agit bel et bien d'un meurtre. De nombreuses hypothèses sont envisagées, mais les enquêteurs privilégient la piste familiale, avec comme seul indice un mystérieux personnage surnommé le Corbeau. En effet, depuis la naissance de Grégory, les parents de la victime, Jean-Marie et Christine Villemain, sont harcelés par des coups de téléphone et les menaces se sont multipliées. Le jour de la mort de Grégory, le Corbeau avait appelé le frère de Jean-Marie Villemain pour signaler la mort du petit garçon. Le lendemain, une lettre anonyme revendique le crime. Cependant, malgré cette revendication, l'enquête n'avance pas. Le cousin de Jean-Marie Villemain, Bernard Laroche, est dans un premier temps accusé par sa belle-sœur. Inculpé, il est finalement libéré faute de preuves, mais le père du petit Grégory est convaincu que son cousin est l'auteur du meurtre et crie « vengeance ». Jean-Marie Villemain met finalement ses menaces à exécution et abat son cousin d'un coup de fusil quelques jours plus tard. Mais les rumeurs se poursuivent allant jusqu'à accuser Christine Villemain, la mère de Grégory. Elle est soupçonnée d'être la complice de Bernard Laroche, voire sa maîtresse. Une hypothèse qui n'a jamais été prouvée. Pourtant, cette dernière a été incarcérée pendant 11 jours alors qu'elle était enceinte. Une courte période d'incarcération suffisante pour que Marguerite Duras soit persuadée que Christine Villemain est coupable. L'écrivain publie alors un texte dans Libération intitulé « Sublime, forcément sublime Christine V, qui incrimine sans aucune preuve la mère du petit Grégory. Au-delà du fait divers, l'affaire Grégory a été le théâtre de tous les abus de la part des médias mainstream. À ce moment, la presse était divisée en deux camps, les Villemain et les Laroche, en fonction de la famille qu'ils soutenaient. Violation de l'enquête, voyeurisme, manipulation de témoins, et les médias ne reculaient devant rien pour illustrer leur une plus tapageuse les unes que les autres. On imagine même que les journalistes ont été un réel frein à l'élucidation de
de l'affaire. Depuis, l'enquête piétine. En 2000, les parents de Grégory demandent la réouverture du dossier et espèrent obtenir des réponses avec l'analyse ADN, sans succès. En 2008, l'instruction judiciaire est de nouveau rouverte avec de nouveaux tests ADN. Deux traces sont relevées, celles d'un homme et d'une femme, mais ne sont pas celles des parents de l'enfant. Cependant, aucun nom ne sort de ces relevés. L'enquête se poursuit, mais les réponses ne viennent pas. Dernier espoir de découvrir l'identité du corbeau, les placements en garde à vue mercredi de trois personnes en lien avec l'affaire. Il s'agit du grand-oncle et de la grande-tante du petit Grégory, ainsi que de sa tante par alliance. Je suis très confiant sur l'issue des investigations. Je pense que la justice a maintenant engrangé des éléments précis, nombreux, significatifs, concordants, qui pourraient permettre de faire encore un pas vers l'élucidation de ce crime. Et je suis aujourd'hui, ce soir, très heureux de cette journée. Je crois que nous avançons bien, enfin, dans ce triste dossier. Les gardes à vue ont été prolongées jeudi matin. Des documents écrits par la grand-tante de Grégory ont été saisis lors d'une perquisition pour les comparer à la lettre adressée en 1984 et des similitudes ont été constatées. À ce stade, ce que l'on peut dire, c'est que les investigations qui sont corroborées par l'analyse criminelle auxquelles a procédé la gendarmerie dont le général va vous parler, montre qu'à l'évidence, plusieurs personnes ont concouru à la réalisation du crime. La présidente de la Chambre de l'instruction a ordonné une nouvelle expertise de la lettre manuscrite de 1983 que je viens d'évoquer. Et les conclusions de cette expertise, avec toute la prudence qui s'attache à ce genre d'acte, mais les conclusions de cette expertise sont confondantes à l'encontre d'une personne qui est Madame Jacqueline Thuriot, épouse de Jacob. Ça, je crois qu'on peut dire qu'effectivement les gardes à vue invoquent une disposition législative sur le droit au silence. C'est une affaire très compliquée. Je ne suis pas venu ici pour vous dire j'ai résolu l'affaire Villemin, je sais qui est l'auteur, je ne le sais pas. L'espoir, effectivement, c'est que le ou les auteurs de ce crime de ce petit enfant soient en tout cas traduits devant la cour d'assises. Marcel Jacob, 71 ans, l'oncle maternel de Jean-Marie Villemin et sa femme Jacqueline, 85 ans, ont été déférés ce vendredi matin. Cette dernière pourrait être le célèbre corbeau. Mais le corbeau est-il vraiment le meurtrier? Si les enquêteurs arrivent à répondre à cette question, l'affaire touchera à sa fin et les parents du petit Grégory auront eu raison de se battre pendant plus de 30 ans. Et selon les dernières informations, Jacqueline Jacob a été mise en examen pour enlèvement, séquestration suivie de mort. Selon son avocat, le parquet général a également requis une mise en examen pour séquestration à l'encontre de Marcel Jacob. Actu pénitentiaire, le site numéro 1 de l'actualité des prisons. Depuis fin 2016, un surveillant poste des images et des textes sur les incidents et la vie dans les maisons d'arrêt. La page est suivie par plus de 17 000 personnes. La direction de l'administration pénitentiaire dénonce d'importants problèmes de sécurité. Pierre Bergeron. La pénitentiaire a une voix et une existence. Face au refus de l'administration de communiquer sur les incidents en prison, un gardien a pris l'initiative de créer Actu Pénitentiaire, un site dédié à la vie carcérale. Surveillants, détenus, familles de détenus et même directeurs de prison suivent ses publications quotidiennes sur Facebook, Twitter ou encore YouTube. Le site se présente comme une revue de presse reprenant tous les articles de la presse quotidienne régionale. Pour respecter son devoir de réserve, l'animateur d'Actu Pénitentiaire attend en principe que chaque information soit publiée pour la divulguer. Chaque jour, il prend 3 heures à éditer ses contenus en lien étroit avec une centaine de correspondants, dont des collègues du syndicat. La chaîne YouTube d'Actu Pénitentiaire diffuse régulièrement des vidéos de détenus, ces derniers les filment avec des téléphones portables pourtant interdits, et la vie en prison s'apparente souvent à un véritable camp de vacances où règne l'anarchie la plus totale. Ouais, les gars, on va voir comment on ouvre les portes du F au nord. Il y a le petit cousin là qui est enfermé. Là. Entre le merde, lui, on n'est pas comme ça. Regardez la détention à nous. Il laisse pas dans la merde. Vous comprenez? Voilà. Allez, où cette putain de porte là?
c'est terrible, on vient bloquer la ligne. Tu dis que là c'est l'heure. T'inquiète. Ouais, t'as perdu la main, ma fille. Je vais la voir. Elle est bloquée, bloquée, super. Voilà, c'est la liberté. Actu pénitentiaire publie également les informations concernant les surveillants. Alors hier, aux alentours de 13h15, on a eu un départ promenade au quartier mineur. Un mouvement promenade, ça implique 8 détenus. Sur les 8, il y en a 2 qui ont commencé à en venir aux mains. Les collègues sont rapidement intervenus pour essayer de les maîtriser. Les détenus ont opposé de la résistance. Et derrière, les 6 autres détenus se sont joints à la bagarre. Le temps que les renforts arrivent, j'avais déjà 6 collègues qui étaient blessés et ils ont été transportés aux urgences. Vous avez des surveillants qui ont été touchés à l'estomac, poitrine. J'ai un collègue qui a le bras cassé. J'en ai un autre qui est sévèrement touché au genou. On a plusieurs commotions cérébrales. Un collègue qui est touché à la nuque. La divulgation de ces données est une véritable mine d'or, mais la direction de l'administration pénitentiaire voit tout cela d'un mauvais œil. Elle dénonce en effet de graves problèmes de sécurité. Les visages des détenus et surveillants ne sont pas floutés et des informations sur des opérations en cours comme des prises d'otages sont parfois diffusées. La chancellerie lui a donc déjà conseillé d'arrêter ses publications. Un petit avertissement en guise de mise en garde, mais l'animateur l'assure, il ne fait rien d'illégal. Agnès Buzyn marche dans les pas de Marisol Touraine. Le nouveau ministre de la Santé souhaite rendre obligatoire 11 nouveaux vaccins pour les enfants. Une proposition déjà faite par son prédécesseur et qui fait la part belle au laboratoire pharmaceutique Thibault Bastide. Les ministres de la Santé se suivent et se ressemblent. Un mois après son entrée au ministère, Agnès Buzyn fait déjà des vagues. Elle réfléchirait à rendre obligatoire 11 vaccins destinés aux enfants. Une volonté déjà exprimée par l'ancien ministre Marisol Touraine. Ainsi, le flambeau des vaccins a été transmis avec succès. Actuellement, 3 vaccins sont obligatoires, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. 3 vaccins jugés insuffisants pour le nouveau ministre de la Santé qui invoque un vrai problème de santé public. Ainsi, Agnès Buzyn propose d'imposer notamment la vaccination contre la coqueluche, l'hépatite B ou encore la rougeole sur une période allant de 5 à 10 ans. Une mesure qui divise les organismes médicaux. Le président de l'Union nationale des associations citoyennes de santé évoque une hérésie et affirme que ces vaccins pourraient avoir des effets secondaires et parfois irréversibles pour les enfants. Des propos immédiatement réfutés par le ministre qui voit à travers cette mesure une façon de dépasser l'intérêt personnel. Agnès Buzyn semble pourtant très proche des laboratoires pharmaceutiques. En effet, le mari du ministre, Yves Lévy, est président directeur général de l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, depuis 2014. Et pourtant, Agnès Buzyn refuse qu'on lui colle cette étiquette, mais avoue à demi-mot que les laboratoires pharmaceutiques ont un rôle dans cette mesure. Une affirmation difficile à contester au vu de l'influence que ces derniers ont sur les décisions politiques en matière de santé. Un sujet que connaît bien le nouveau ministre. En effet, Agnès Buzyn avait été rémunérée par 3 laboratoires privés en 2011, alors qu'elle occupait diverses positions dans des organismes publics. Elle avait notamment participé au conseil d'administration des laboratoires Novartis et Bristol Myers Squibb entre 2009 et 2011, alors qu'elle était vice-présidente de l'Institut National du Cancer. Le ministre de la Santé avait également déclaré en 2016 qu'un chercheur qui reçoit des fonds de la part des laboratoires est un gage de compétence. Nous voilà donc rassurés sur les compétences du nouveau ministre de la Santé. La guerre entre les géants du jeu vidéo se poursuit. Depuis le début des années 90, les fabricants de jeux sur console, qui ont connu un bouleversement avec la démocratisation de l'ordinateur, se livrent une lutte sans merci. 3 fabricants s'opposent par console interposée, une lutte à mort pour une industrie dont le chiffre d'affaires dépasse celui du cinéma depuis 2002. Une guerre à 3 pour les fabricants de jeux vidéo. Sony, Microsoft et Nintendo sont les 3 protagonistes du combat qui oppose les géants mondiaux du jeu. Depuis une semaine, ils présentent leurs nouveautés à Los Angeles pour le salon de l'Electronic Entertainment Exposition, le salon annuel de l'industrie du jeu vidéo. Microsoft, le monstre de l'informatique, dégaine en lançant sa console Scorpio, véritable challenger du salon. La multinationale américaine a vu sa précédente console, la Xbox One, se vendre 3 fois moins
que sa concurrente de chez Sony, la PlayStation 4. Pour se ressaisir, Microsoft a fait le choix de miser sur une console aux capacités techniques largement supérieures à ses concurrentes et sur un ensemble de licences, c'est-à-dire de jeux à retrouver exclusivement sur cette console bien connue des amateurs de jeux vidéo comme Halo ou Minecraft. Le but de Microsoft, redevenir numéro 1 aux États-Unis, une nécessité pour la firme qui s'impatiente de voir sa branche jeux obtenir des résultats. De son côté, le leader japonais Sony entend diversifier toujours plus sa gamme de produits en proposant des déclinaisons de ses consoles, s'appuyant sur des grands classiques du jeu vidéo comme le jeu de voiture Gran Turismo ou le jeu d'action God of War. Sony a rencontré un véritable succès avec ses dernières consoles et entend capitaliser sur ce marché déjà acquis, mais aussi trouver de nouvelles parts de marché, notamment chez les filles et les seniors. Troisième monstre sacré et historique du jeu vidéo, le japonais Nintendo. Souvent assimilé à une marque pour jeunes, Nintendo voudrait fidéliser ses consommateurs à la manière de Sony. Avec sa console Switch, sortie en 2016, le fabricant Nippon a renoué avec le succès en proposant un produit hybride qui permet de passer de la console de salon à la console portable. La console portable spécialité de Nintendo avec la très longtemps indémodable Game Boy. L'industrie du jeu vidéo n'est pas à négliger, tant financièrement que culturellement. En 2016, ce marché a atteint 3,5 milliards de ventes de matériel en France, record historique. Un résultat qui s'approche toujours plus des ventes de livres, puisque le marché de la lecture est sur le même exercice à 3,9 milliards d'euros. Si le jeu vidéo venait à dépasser le livre, il deviendrait la première industrie culturelle en France. Une croissance qui a vu depuis plusieurs années l'émergence d'un groupe français, Ubisoft, petite entreprise bretonne née en 1986 et qui emploie aujourd'hui près de 10 000 personnes pour un chiffre d'affaires s'approchant d'1,4 milliard d'euros. L'entreprise française produit des jeux à succès dans le monde entier comme Assassin's Creed, Far Cry ou encore Rayman et Les Lapins Crétins. Au niveau mondial, le marché représente près de 100 milliards de dollars en 2016 avec 30% de ventes pour les seuls ordinateurs, ordinateurs qui pourraient bien être l'avenir du jeu vidéo. Et passons à présent à l'actualité en bref. Trafic de fiches S, un fonctionnaire de police, capitaine, membre de la PAF, la police aux frontières, est suspecté d'avoir divulgué plusieurs centaines de fiches S au service secret marocain. Le fonctionnaire ainsi que deux autres hommes appartenant au même service ont été arrêtés à l'aéroport d'Orly les 29 et 30 mai dernier pour corruption. Les fiches ont été remises à une société privée implantée à Orly et spécialisée dans la sécurité aérienne et aéroportuaire en échange de voyages tout frais payés au Maroc et de l'argent liquide. Si ses deux collègues ont été relâchés, le capitaine reste quant à lui toujours incarcéré. Petit retour sur la réouverture de la mosquée salafiste de Villiers-sur-Marne. Lors d'un conseil municipal, le député maire Les Républicains, Jacques-Alain Benisti, a affirmé avoir pris deux arrêtés municipaux à la demande de la préfecture. Ces deux arrêtés prévoyant la mise à disposition de salles municipales et la location d'un terrain municipal au bénéfice de l'association Al-Isla, gérant ce lieu de culte. Ce dernier avait pourtant été fermé par la préfecture fin 2016 pour radicalisme. Le conseiller municipal FN Jérôme Auvray, qui a saisi le tribunal administratif, a joint le cabinet du préfet et livre une toute autre version que celle du député-maire. Dès que j'ai eu donc, deux arrêtés, j'ai évidemment fait deux recours administratifs auprès du tribunal administratif de là. Et donc je me suis rapproché naturellement du cabinet du préfet qui m'a assuré ne pas avoir fait cette demande auprès de Jacques-Alain Benisti, c'est-à-dire que le préfet n'a pas demandé que M. Benisti fasse une action quelconque pour aider cette association à retrouver un lieu de culte. Donc le 23 mai dernier, le maire de Villiers a tout simplement, je pense, menti. En attendant la décision du tribunal administratif, d'ici un an, Jacques-Alain Benisti a réussi son coup de com' auprès de l'électorat musulman pour acheter la paix sociale. Le Puy du Fou fête ses 40 ans avec 2,2 millions de visiteurs en 2016. Le parc fondé par Philippe de Villiers est au fil des années devenu un symbole de la Vendée. Pour célébrer dignement cet anniversaire, son fondateur sort un livre mémoire intitulé « Le Puy du Fou, un rêve d'enfance, un retour sur l'histoire du parc ». En plus des visiteurs habituels, 15 000 personnes ont reçu une invitation pour la journée anniversaire des 40 ans du parc qui a eu lieu ce vendredi. Le Grand Carillon, nouveauté 2017, est inauguré à cette occasion.
Reconquérir notre histoire, c'est le thème du prochain colloque de l'Association pour l'Histoire. L'événement se déroulera lundi 19 juin à 20h30 à la Maison de la Chimie à Paris. Philippe Corrade, président de l'association, nous en dit plus sur ce rendez-vous. Dans cette période où les déconstructeurs sont à l'œuvre, avec tous les dangers que cela représente pour la transmission de notre mémoire et de la connaissance, tout simplement, de notre histoire, nous allons nous pencher, justement, sur l'enseignement de l'histoire et les problèmes qu'il rencontre aujourd'hui, avec trois orateurs. Je présenterai d'abord quelles ont été les étapes de cette déconstruction, en cours depuis plusieurs années. Hein. On nous explique que l'histoire de France, c'est une création purement artificielle, que c'est un roman national inventé par un certain nombre d'auteurs, que tout cela, ça relève de la mythologie plutôt qu'autre chose, que ça n'a rien de scientifique. Alors, j'ai essayé de rappeler quelles ont été les étapes de cette déconstruction. Ensuite, Bernard Lugan, qui est un spécialiste de l'histoire de l'Afrique, expliquera comment l'histoire de l'esclavage a été pleinement instrumentalisé depuis plusieurs décennies maintenant pour contribuer à une culpabilisation des Français puis plus largement des Européens, et remettra les pendules à l'heure sur ce terrain. Enfin, Laurent Wetzel, qui est un ancien inspecteur de l'éducation nationale, inspecteur d'histoire, se penchera lui sur ce qu'a été l'évolution des programmes et surtout nous proposera ce que pourrait être pour l'avenir un enseignement de l'histoire qui corresponde à la réalité, bien sûr, d'une part, et puis d'autre part, contribue à fortifier une mémoire nationale aujourd'hui menacée. Je leur suggère de venir à notre colloque, hein, qui va se tenir donc le lundi 19 juin à 20h30, comme d'habitude, à la Maison des Mines, 270 rue Saint-Jacques. Hein. C'est l'occasion de nous retrouver entre personnes qui pensent qu'il y a là un enjeu tout à fait décisif pour l'avenir. On le voit très bien, c'est une question qui ne concerne pas d'ailleurs seulement, pas seulement la France, hein. La persistance ou le maintien de notre identité nationale est en grande partie commandé par la transmission d'une mémoire commune, aujourd'hui particulièrement menacée. Autre événement de ce mois de juin, un son et lumière organisé par l'association SOS Chrétiens d'Orient à l'abbaye du Val-de-Grâce à Paris. Pierre Delouette nous explique la démarche de l'association et le but de ce spectacle. SOS Chrétiens d'Orient organise le 29 juin un événement exceptionnel dans l'abbaye royale du Val-de-Grâce, qui était un endroit absolument magique. Il s'agit d'un son et lumière qui aura pour thème le martyr et l'espérance des chrétiens d'Orient. Ce son et lumière sera porté par un texte de Richard Millet avec les voix de Charlotte Dornelas et du père de Pomerol. C'est au profit du quartier Midan à Alep. Alors pourquoi ce quartier en particulier? Parce que tout simplement c'est le quartier qui a sans doute le plus souffert, le plus été détruit, et pour cause, il se situait sur la ligne de front qui séparait Alep Est et Alep Ouest, et qui a du coup subi évidemment les rudes combats qui ont opposé ces deux parties d'Alep. Nous avons besoin de 300 000 euros pour reconstruire 100 maisons, donc 100 familles qui vont pouvoir rentrer chez elles, qui le souhaitent vraiment, et nous organisons cet événement sous le haut patronage de Aram Ier, catholicos des Arméniens de Cilicie. Nous attendons à 20h dans les jardins de l'abbaye pour un cocktail suivi d'une séance de dédicace où vous retrouvez Gabriel Cluzel, Richard Millet, Charles Becbédé, Frédéric Ponce, Charlotte Dornelas et bien d'autres encore que je ne peux pas citer, mais qui seront là, qui seront ravis de vous accueillir. Et comme chaque vendredi, vous pouvez vous procurer le quotidien présent de fin de semaine. À la une, un entretien avec le conseiller régional FN Bruno Bilde, la levée de l'immunité parlementaire de Marine Le Pen et la fusillade à Washington contre des élus républicains. Et ce soir, retrouvé immédiat, Jean-Yves Le Gallou évoquera le mois de la fierté du lobby LGBT, la suspension de la cagnotte PayPal des identitaires et le bras de fer entre Emmanuel Macron et les médias à propos de ses ministres Richard Ferrand et François Bayrou. Également au programme, tête à clash cette semaine, Franck Tanguy reçoit Charles Becbédé, Christian Combaz, Valérie Daubigny et Grégoire Boucher pour évoquer le premier tour des législatives et la macromania.
aujourd'hui, tant Vladimir Poutine que Donald Trump, et même d'une certaine manière ce qui s'est passé avec Theresa May et avec le Brexit en Angleterre, nous montre que la logique des partis est morte et qu'aujourd'hui ce sont des, on veut dire, pour reprendre la terminologie, des souverainistes ou des gens qui s'intéressent à l'intérêt de leur peuple, c'est-à-dire qui sont des patriotes qui, on le vend en poupe. D'une certaine manière, même si moi je considère que c'est un escroc de ce point de vue-là, Macron a joué là-dessus. Il s'est présenté comme capitaine de, non pas d'industrie, mais capitaine d'un bateau, et les gens ont voulu croire à ça. Simplement, effectivement, les Français vont réaliser que c'est pas vrai. Mais on est sorti de la logique de parti, et donc de la logique partisane, qui était de dire on va voter à droite, on va voter à gauche, ça veut plus rien dire. Aujourd'hui, c'est l'intérêt de la France qui est en jeu, et de ce point de vue-là, je crois que l'élection présidentielle comme l'élection législative sont révélatrices de cette évolution qui va dans le bon sens. Et comme chaque vendredi, Jean-Pierre Maugendre vous donne rendez-vous pour son émission Terre de Mission. Et à partir de 20h30, j'aurai le plaisir de vous retrouver en compagnie d'Élise Blaise, j'aurai dormi un peu, et Martial Bild pour une édition spéciale en direct de Cap sur l'Assemblée dédiée aux résultats du second tour des élections législatives. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnol avec Christian Combaz. Merci de votre fidélité. Bonne fin de semaine à tous. À dimanche. Bonsoir. Assez affreuse dans ma génération, enfin dans la nôtre, puisque vous êtes nombreux à m'écouter entre 50 et 60, c'est que nous sommes les premiers à avoir pratiqué le caméscope dans nos années de jeunesse et que, de manière bien imprudente, bien légère, nous avons filmé parfois pendant des heures des gens et des lieux entièrement disparus. Alors vous allez me dire, c'était le cas avant, mais avec le Super 8, c'était pas tout à fait la même chose. Parce que d'abord, le 16, le 8, le Super 8, tout ça était assez incommode. Ça n'accompagnait pas nos faits et gestes, il fallait monter le film, et puis il n'y avait pas le son, et puis il fallait envoyer les bobines chez Kodak, on recevait un paquet jaune par la poste, pour un résultat d'ailleurs souvent décevant, surexposé ou sous-exposé. Du coup, au fil des années, on le faisait de moins en moins. La caméra restait sur l'étagère, à moins d'un événement à immortaliser comme un mariage ou un anniversaire, et le quotidien restait absent de nos archives. C'était trop cher de filmer un repas entier, ou une conversation, d'ailleurs une conversation sans le son, c'était moins intéressant forcément. Et puis ensuite, est venue la caméra vidéo légère, et là, tout a changé, on a commencé à filmer n'importe quoi, avec le son, n'importe quand, souvent n'importe comment d'ailleurs. Et ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que cette production un peu frénétique des années 80 allait nous revenir à la faveur de la retraite et que les boutiques de photographes allaient faire fortune en nous revendant nos propres souvenirs numérisés sur disque dur. Alors là, on s'aperçoit, puisque ça se passe en ce moment même, on s'avise avec un peu de stupeur que nous sommes la première génération à avoir fait sortir les souvenirs de leur cadre solennel, vous savez, pour emmagasiner des heures et des heures d'un temps qui passe comme ça sans montage, de conversations entières, de gens disparus. Il y a une différence énorme entre un album de photos, un film Super 8 qui relève de la même logique, celle du moment important, et une bobine de caméscope qui justement garde tous les moments qui n'ont pas l'importance. D'ailleurs, sur ces films, on voit pour la première fois des gens qu'on ne voit pas dans les albums officiels, des gens discrets de la famille, des gens effacés. La vidéo silencieuse, avec son zoom, son côté furtif, nous restitue des visages pendant un repas, des expressions, des choses qui relèvent d'un autre temps que celui de la photo souvenir. Pour la première fois, c'est un temps qui passe dans toute son épaisseur, contrairement au film Super 8. On monte pas, on coupe pas, on laisse les silences, les bruits parasites, les voix off surtout, les gens prétendument sans intérêt. C'est ce que les Américains appellent une time bomb. On est tout surpris de retrouver ces personnes et ces lieux dans une capsule. Et même si les couleurs ont un peu d'éteint, c'est une immersion totale qui fait réfléchir. À quoi ? Eh bien, c'est là, justement, que je veux en venir. Nous ne sommes pas tous les mêmes. Il y a ceux qui aiment revoir les gens disparus et ceux qui n'aiment pas. Il y a ceux qui préfèrent un film monté rapide et d'autres qui sont ravis de pouvoir analyser avec leurs yeux d'aujourd'hui un temps
presque brute d'autrefois. On aura compris que j'appartiens à la deuxième catégorie, mais on n'aura pas compris le rapport avec Campagnol. Eh bien si, j'ai filmé en 1988, figurez-vous, une messe en plein air qui rassemblait tout le pays et qui se déroulait juste avant l'élection présidentielle cette année-là. Et tout en regardant les visages des gens pour la plupart disparus, j'ai prêté attention l'autre jour au sermon du curé, dont le film reproduisait de larges passages et tout y était. La mise en garde solennelle au nom de la Sainte Vierge contre Jean-Marie Le Pen, pour qui il fallait pas voter. L'exhortation à laisser entrer autrui sur notre sol au nom des valeurs de l'Église. La chose étrange était que le curé qui avait écrit ce sermon-là faisait le contraire exactement de ce que faisaient ses prédécesseurs depuis 1840. Il disait à tous ses villageois de croire à la modernité qui n'apporterait que des bienfaits. Alors là, quand on voit ce que sont devenus les enfants qui jouaient sur la pelouse en 88 et comment se comportent aujourd'hui leurs propres enfants, on est un peu convaincu du contraire, quand même. Tout en 88, comme je viens d'en témoigner, respirait l'insouciance, la désinvolture, le bavardage des gosses qui étaient vêtus de couleurs vives. Aujourd'hui, leurs propres enfants sont vêtus de noir, ils ne parlent pas, ils regardent leur téléphone portable toute la journée. Et alors, conclusion, vous allez me dire, mais moi, je conclus rien, je constate, c'est tout. La conclusion vous appartient, envoyez-la moi, s'il vous plaît. We'll be right back.
Every time I'm relaxing, the telephone rings. Man, it's really getting to me. I really hate that thing. Take a message, baby. Just tell him I'm not home. Yeah, you got the lies of some people. They just don't leave you alone. It might be the neighbor, the insurance man. It could be the boss man, girl. I just don't give a damn. Take a message, baby. Tell him I'm gone today. I don't feel much like talking. Nobody listens anyway. Makes me so mad. Yes, it do. Baby, it's getting in the groove. The telephone rings and it blows my attitude. Take a message, baby. Just tell him I'm not in. Yeah, you can tell the same thing. Hey, when they call me back again. If that telephone keep ringing, if I get one phone call, I'm gonna take my 10-pound hammer, knock it right off the wall. Take a message, baby. Just tell him I'm not home. Hey, you got to lie to some people. They just don't leave you alone. No, they don't. In the mood, the telephone started ringing, and it blows my attitude. Take the message, baby. Just tell him I'm not here. Yeah, you can tell him all the same thing. Well, when it's gone, he's back again. If the telephone keep on ringing, if I get one more call, I'm gonna take my 10-pound hammer, knock it all off the wall. Take the message, baby. And just tell him I'm not on. Yeah, you got the lies of some people. They just don't leave you alone. You can do
Thank you.
years in a tribulation. Every day we live, Lord, I ain't complaining, 'cause we all walk alone. Give me just one quiet moment, stop and rest my bones. Raggedy or rich, my story be the same. Well, got dues that's waiting, and I don't care about your name. Oh man, I have it made. If I could find just one piece of shade, my fortune I would trade for just one little piece of I'm living the blues. I'm
conductor's head I went inside. Just made it worse to try to patch up my hand. I ain't much of a medicine man. A lot of things that I try to do, they don't work out like I want them to. But one thing I can do just right, when it comes to love, I'm certified. Yes, I got my degree, doctor of love, I got a PhD. You want some kind of loving like you never tried? Come to me, I'm certified. Out on a job in the boss man, yeah. Here we go again, I'm gonna get some help. He said you screw up for one more time, in the unemployment line. A lot of jobs that I can't do, even more I never wanted to. But one place I'm overqualified, when it comes to love, I'm certified. Yeah, I got my degree, doctor of love, I got a PhD. If you want some kind of loving like you never tried, to me, I'm certified. Thank you.
Thank you.